فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, parmi les vertus islamiques qui caractérisent l'islam et qui différencient les pieux de ceux qui ne le sont pas, et les vertus islamiques à propos desquelles nos ancêtres, sur lesquelles nos ancêtres se sont vraiment intéressés et penchés, il y a le comportement du scrupule, al-wara, qu'on appelle en arabe al-wara. Alors, quelle est la définition de al-wara? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il dit sur cette vertu, sur ce comportement? Nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ce comportement? Qu'ont-ils fait dans ce domaine-là? Et comment a-t-on besoin de ce comportement dans notre époque? Al-wara, le scrupule, c'est le fait de s'abstenir de commettre l'interdit. S'abstenir de commettre l'interdit. Et c'est de là qu'on a tiré la définition religieuse et théologique de cette vertu-là. Donc, al-wara, le scrupule, c'est le fait de s'abstenir de ce qui est autorisé et de ce qui est licite. Tu sais pertinemment que c'est licite, c'est autorisé, mais tu t'abstiens de le faire par peur de tomber dans quelque chose qui est illicite. L'autre définition qu'on a donnée au scrupule, c'est le fait de laisser l'ambiguïté, de s'écarter de l'ambiguïté et de contrôler ses inspirations. Même ce que notre esprit, même ce qui nous inspire, même les idées qui passent et qui frôlent notre esprit, on essaie de les contrôler et de faire attention à penser à quelque chose qui est interdite. Et le fait, bien entendu, de s'écarter de tout ce qui relève de l'ambiguïté. On rapporte sur Abu Bakr Siddiq, comme on rapporte sur Omar ibn Khattab et d'autres compagnons, qu'il disait, nous délaissons ou nous nous écartons des 9 dixièmes du halal par peur de tomber dans le haram. Nous nous écartons des 9 dixièmes du halal. C'est des choses que nous savons pertinemment être halal. Mais malgré cela, on s'en écarte par peur de tomber dans le haram. Alors que nous, à notre époque, on fait pratiquement l'inverse. C'est qu'on délaisse les choses qui sont, enfin, on accomplit ce qui est haram, ce qui est clairement haram, et peu de fois on s'écarte de ce qui est clairement haram. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم un hadith qui englobe tout, un hadith, une sagesse de la part du prophète صلى الله عليه وسلم qui englobe et qui définit justement ce comportement. Dans ce hadith-là, qui a été rapporté par Tirmidhi, par Nasa'i, sur Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma, ce dernier a dit, donc Al-Hassan a dit, j'ai appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette phrase, laisse ce qui te laisse douter, laisse ce qui te laisse douter pour ce qui ne te fait pas douter, laisse ce qui te fait douter pour ce qui ne te laisse pas douter. Autrement dit, dès que tu as le doute sur une chose, délaisse-la et essaie d'aborder et de saisir la chose dont tu n'as aucun doute sur le caractère de sa licéité. Chers frères et sœurs, Imam al-Bukhari rapporte sur Aïcha radiyallahu anha qu'elle a dit, Abu Bakr Siddiq avait un domestique, avait un valet qui s'occupait de sa zakat. Il calculait ses biens matériels et ensuite il sortait à zakat. Et parfois, il y avait de la nourriture et tout. Et un jour, ce valet-là ou ce domestique a ramené de la nourriture à Abu Bakr. Et Abu Bakr, après l'avoir consommé, son domestique de lui dire, « Est-ce que tu sais ce que tu viens de manger ?» Il lui a dit, « Non, qu'est-ce que j'ai mangé ?» Il lui a dit, « Ça, c'est la récompense d'une devinette que j'ai faite à quelqu'un avant que je ne me convertisse à l'islam. » Ce qu'on appelle le kahana, c'est le fait de prévoir quelque chose qui va arriver ou de dire à des gens voilà ce qui va t'arriver, les devins. Donc ça, bien entendu, comme on le sait, c'est totalement interdit en islam puisqu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui sait ce qui va arriver dans l'avenir. Et donc ce jeune homme avait trompé quelqu'un, il a rusé de quelqu'un
et il lui a fait il lui a deviné certaines choses qui allaient lui arriver, alors qu'il ne, il le faisait seulement pour le ruser, pour prendre ses biens. Et ce quelqu'un lui a donné une récompense, c'est de l'argent, ou bien il lui a donné de la nourriture, ou de l'argent avec lequel il a acheté de la nourriture, et c'est cette nourriture qu'il a donnée à Abu Bakr Siddiq. Et il lui a dit, ben, ce que tu viens de manger, ça vient de ce que cet homme m'a donné en récompense de ce que je lui ai fait. Et là, lorsque Abu Bakr a entendu cela, il a mis le doigt à l'intérieur de sa bouche et il a vomi tout ce qu'il avait mangé. C'est exactement ça, al-wara, le scrupule. Le scrupule, c'est cela. Abu Bakr n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Il a mangé, il a avalé, il ne savait pas ce qu'il allait manger, donc Allah Azza wa Jalla ne lui tiendra pas rigueur de ce qu'il a fait. Mais par peur et par crainte, et parce qu'il n'a pas voulu que cette nourriture haram se mélange avec son sang qui est pur, et se mélange avec sa chair qui est pure, il a tout vomi, il a tout vomi. Voici le scrupule dont nous avons besoin au niveau de notre comportement, au niveau de nos transactions financières, au niveau de ce que nous mangeons, au niveau de ce que nous buvons, pour maintenir la purification, la pureté de notre religiosité. Et Ibn Hajar, en commentant ce hadith-là, a dit Abu Bakr avait sûrement entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il interdit de profiter de l'argent avec lequel on a vendu les chiens, parce qu'il est interdit de vendre les chiens ou de les acheter. L'argent avec lequel on vend les chiens, c'est un argent qui est haram. L'argent aussi qu'on donne aux prostituées, c'est un argent qui est interdit, on ne peut pas en bénéficier, ni elle bien entendu, ni quelqu'un d'autre, ainsi que le salaire qu'on donne aux devins ou à tous ceux qui travaillent dans ce domaine occulte. Donc Abu Bakr, parce qu'il savait que c'était interdit, donc regardez ce qu'il a fait, alors que l'islam ne lui imposait pas de vomir ce qu'il avait mangé. Il y a un autre hadith qui est rapporté par Al-Bazzar et Al-Hakim, et c'est un hadith qui est authentique selon les conditions de Al-Bukhari et Muslim, sur Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mérite du savoir est meilleur que le mérite de l'adoration. Le mérite du savoir est meilleur que le mérite de l'adoration. Et le mieux de ce qu'il y a dans votre religion, c'est le scrupule. Le mieux de ce qu'il y a dans votre religion, c'est le scrupule. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, c'est qu'il sait pertinemment que le scrupuleux, c'est quelqu'un qui a pris le fruit du savoir. Parce qu'un savoir qui ne se traduit pas dans ton comportement, un savoir qui ne se transforme pas en une piété, en une crainte révérencielle, c'est un savoir qui ne sert pas à la personne. Mais quelqu'un qui est ouari, c'est quelqu'un qui a pris le fruit du savoir et qui a aussi profité du fruit de l'adoration. Une adoration qui ne t'écarte pas de l'interdit, qui ne t'écarte pas de ce qui est douteux, qui ne t'écarte pas de ce qui est ambigu, c'est une adoration qui est légère. C'est une adoration qui n'est pas aussi sincère que l'islam le veut. L'imam Ahmed ibn Hanbal, un jour, pendant qu'il donnait des fatawas, des réponses à ceux qui lui posaient des questions, une femme se présenta à lui. Et il lui dit, voilà, j'ai une question à te poser. Je tricote la nuit, je tricote toute la journée et même pendant la nuit. Et pendant la nuit, lorsque je tricote, il y a des gardiens, comme des soldats qui tournaient à l'époque dans les villes de l'Irak, qui tournent avec leurs torches. La nuit, ils passent avec leurs torches. Et parfois, je profite, lorsqu'il fait noir, lorsqu'il fait obscur, je profite de la lumière de leurs torches. Parfois, ils se tiennent debout, peut-être à côté de sa maison. Donc, le côté de la maison, ou bien la terrasse de la maison, est illuminée par la lumière de leurs torches. Donc, j'en profite pour tricoter. Est-ce que ce que je fais est halal ou haram? Les tricots que je vais fabriquer, est-ce qu'ils sont halal ou haram? Si je les vends, est-ce que c'est halal ou haram? Et l'imam Ahmed est resté étonné de cette question. Et au lieu de lui répondre directement, il lui a dit, tu es de quelle famille toi? Tu viens de quelle famille? Il lui a dit, je suis la sœur de Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Et ce dernier-là, Bishr ibn al-Harith, c'est quelqu'un qui était un ascète, c'est quelqu'un qui était très pieux, et quelqu'un qui est devenu célèbre dans l'histoire de l'islam par sa piété, par son scrupule. Et là, l'imam Ahmed a pleuré, parce qu'à l'époque, Bishr était déjà décédé, il a pleuré et il a dit, c'est de votre demeure
que le scrupule sort. C'est de votre demeure que le scrupule sort. Va chez toi et ne tricote pas sur la lumière des torches de ces soldats. Bien entendu, Imam Ahmed, il sait que cette dame-là, il lui est permis de tricoter sur la lumière de ces torches-là. Elle ne profite pas de l'argent de quelqu'un. Mais parce qu'il savait que c'était une femme scrupuleuse, parce qu'il savait que c'est une femme qui avait une vraie piété. Il y a à notre époque des personnes qui parfois posent des questions, qui laissent entendre qu'ils sont scrupuleuses, mais parfois c'est des personnes qui cherchent, comme on dit midi à 14h, qui cherchent des détails alors qu'ils n'ont pas à chercher là-dedans. Mais ce n'est pas une vraie piété. À la limite, lorsque la personne est pieuse dans tous les domaines de sa vie, là, elle peut se permettre de poser ces questions-là. Mais tu trouves que la personne est un petit peu laxiste sur plusieurs domaines et il pose des questions pointues sur d'autres, ce n'est pas cela le vrai scrupule. Mais Ahmed ibn Hanbal a détecté cette femme-là une vraie piété et un vrai scrupule. Voilà pourquoi, dans sa réponse, il était dur. Voilà pourquoi il a opté pour un choix qui était un petit peu à l'extrême, même si l'islam autorisait, il le savait, aurait autorisé à cette femme de continuer à tricoter. Et même certaines femmes ont posé la même question sur ce qu'ils vendaient du résultat de leur tricot. Est-ce que c'est halal ou haram? Parce que parfois on profite de la lumière de la lune et parfois on profite de la lumière des rues. Donc tout cela, c'est pour vous montrer ce qu'est véritablement le scrupule. Avec ces histoires, chers frères et sœurs, nous pouvons avoir quelque part le repère qui nous permet de voir est-ce que nous sommes scrupuleux dans notre comportement, dans nos transactions, dans notre nourriture, dans notre boisson ou pas. L'exemple que j'ai cité de cette femme-là, c'est le cas aussi qu'on peut citer dans un hadith qui a été rapporté par An-Nasa'i sur Abu Qatada ainsi que Abu Ad-Dahma. Ces deux personnes sont venues chez un homme, un bédouin, et ils lui ont dit « Est-ce que tu as déjà entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole ?» Et donc l'homme de leur dire « Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné un conseil en me disant « Sache qu'à chaque fois, tu laisses tomber quelque chose, tu laisses quelque chose pour Dieu, parce que tu as peur de Dieu. Chaque fois que tu laisses pour Dieu quelque chose, Allah Azza wa Jalla te la remplacera avec ce qui est meilleur. Chaque fois que tu laisses quelque chose pour Dieu, sache qu'Allah Azza wa Jalla te la remplacera par ce qui est meilleur. » Autrement dit, lorsque j'accomplis un travail, un travail qui est interdit ou un travail qui est douteux, où il y a des doutes, des vrais doutes, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram? Alors je sais que je participe directement ou indirectement à l'haram, à la propagation de l'haram, et que je laisse tomber cela pour Dieu. Je laisse ce travail-là pour Dieu parce que je crains Dieu et je demande à Allah Azza wa Jal de me remplacer ce travail par ce qui est meilleur. Allah Azza wa Jal répondra à cet appel et il trouvera ce qui est meilleur pour toi, aussi bien dans l'ici-bas que pour l'au-delà. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous confère un conseil qu'on peut écrire avec de l'or. Et à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim, certes, le halal est clair. Certes, le halal est clair, il n'y a pas de doute dessus. Et le haram est clair. Et il y a entre les deux des choses ambiguës. Il y a entre les deux, entre ces deux domaines, il y a des choses qui sont ambigu que peu de gens connaissent. Autrement dit, des gens ne les estiment pas à leur juste valeur. La majorité des gens les sous-estiment. Ils pensent que ce sont des choses qui ne sont pas graves, des choses qui sont ambiguës que peu de gens connaissent. Celui qui s'écarte des choses ambiguës a préservé sa religion et son honneur. Celui qui s'écarte de ce qui est ambigu a préservé sa religion et son honneur. Quant à celui qui tombe dans les choses ambiguës, il tombe dans le haram. Et ensuite, le professeur Asm a donné un exemple. Il a dit, comme le berger qui fait paître des bêtes près d'un enclos réservé et sont donc sur le point de rentrer dedans. Voilà, le berger, il a un troupeau, il a quelques moutons par exemple, qui vont paître à côté d'un endroit, un enclos qui ne lui appartient pas. Un enclos réservé, un enclos privé. Et donc, il suffit de peu pour que ces bêtes-là entrent dans l'enclos qui est interdit, dans l'enclos qui est privé. Et là, il aurait accompli
un délit, il aurait accompli quelque chose qui est interdite. Donc voilà l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, chaque roi a un domaine réservé. Chaque roi a un domaine réservé. Et certes, le domaine réservé d'Allah, ce sont ses interdits. Allah azza wa jalla, donc tout ce qui est interdit, personne ne doit rentrer dans ce domaine-là. Cette réserve-là, il est interdit qu'un musulman y pénètre. Mais bien entendu, celui qui rôde autour des limites de cet enclos-là, qui rôde autour des limites de cette réserve-là, il risque à un moment ou à un autre de se trouver à l'intérieur du domaine qui est interdit. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé ce hadith en disant, certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, alors l'ensemble du corps est bon. Tandis que s'il est mauvais, alors c'est l'ensemble du corps qui est mauvais. Il s'agit du cœur. Et là, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous montrer que l'endroit où s'enracine le scrupule, c'est le cœur. Si tu as du scrupule, c'est que tu as un bon cœur. Et si tu n'as pas le scrupule dans ce que tu fais, dans le travail que tu fais, dans ton comportement, dans ce que tu manges, dans ce par quoi tu t'habilles et ainsi de suite, si tu n'as pas de scrupule dans ces domaines-là, sache que ton cœur est malade. Sache qu'il y a un problème dans ton cœur. Et lorsque le scrupule s'empare du cœur, c'est que tu es sur le droit chemin, c'est que tu as une bonne religiosité, c'est que tu as compris le sens et l'essence de la religion musulmane.